Soit jeudi à nous, mercredi 21 juillet 2021, Koulia, Télévision Nationale d'Haïti, avec vous en direct dans le musée Panthéon National Haïtien, MUPANA, dans Port-au-Prince. Nous allons permettre de suivre en direct, côté au branché nous, dans le moment ça, cérémonie salutation à Première Dame République, Madame Martine Moïse, qui là dans MUPANA. Et c'est la première fois que la Première Dame n'a pas été en public depuis qu'elle tourne dans le pays, à la date qui était 17 juillet passé. Alors, la cérémonie, ça, nous avons suivi Kounia, soutien quand nous avons fait qu'on rentre dans le cadre tout yon ensemble activité qu'a fait depuis hier mardi 20 juillet pour un hommage à président républicain Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili dans Pèlerin 5 dans la commune Pétionville. Dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet qui s'est passé là, dans le moment ça, chef l'État a gagné 53 l'année. Alors, faut que nous disions, journée mercredi, Première Dame Martine Moïse, là pour recevoir salutations représentant divers secteurs dans le pays. Là, nous avons membres corps consulaire avec personnel diplomatique là, plusieurs ministres gouvernement sortant, plusieurs directeurs généraux, secrétaires d'État. Nous remarquons tout présence ancien président Michel Martelly, madame Sophia Martelly et puis même secteur privé des affaires là. Soir jeudi à nous mercredi 21 juillet 2021 Koulia Télévision Nationale d'Haïti avec vous en direct dans le musée Panthéon National Haïtien MUPANA dans Port-au-Prince. Nous allons permettre de suivre en direct côté au branché nous dans moment ça cérémonie salutation à Première Dame République Madame Martine Moïse qui là dans MUPANA et c'est première fois Première Dame n'a pas été en public depuis qu'elle tourne dans pays à la date qui était 17 juillet passé. Alors cérémonie ça n'a suivre Kounia soutien quand nous n'a faut connait il rentrer dans cadre tout yon ensemble activité qu'a fait depuis hier mardi 20 juillet pour un hommage à président républicain Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili dans Pèlerin 5 dans la commune Pétionville dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet qui s'est passé là. Dans le moment ça, chef l'État a gagné 53 l'année. Alors faut que nous disions, journée mercredi, Première Dame Martine Moïse, là pour recevoir salutations représentant divers secteurs dans le pays. Là, nous avons membres corps consulaire avec personnel diplomatique là, plusieurs ministres gouvernement sortant, plusieurs directeurs généraux, secrétaires d'État. Nous remarquons tout présence ancien président Michel Martelly, madame Sophia Martelly et puis même secteur privé des affaires là. Bien c'est toute une série de personnalités qui là gagné parlementaire 50e législature tout qui te vine et bien présenter salutations à Première Dame République là. Décor là bien planté, j'en vais regarder là nous dans jardin MUPANA côté cérémonie salutations à Première Dame Martine Moïse avec famille présidentielle là déroulé. Nous avons tout plusieurs registres de condoléances qui sont disponibles côté population capable de passer pour écrire un petit mot en mémoire président Jovenel Moïse. Et nous apprenons gain registre comme ça tout des registres même gens qui sont disponibles dans plusieurs mairies avec institutions en façon pour permettre tout le monde qui veut écrire un mot de réconfort à la famille, quel qu'en soit côté ou sous territoire, pour être capable de faire ça avec facilité. C'est Première Dame République là qui prend gain pour paraître dans quelques minutes encore. Pour deuxième partie cérémonie capable de dérouler, n'a pas rappelé dans le premier temps, c'était possibilité de bailler tout le monde, aux fonctionnaires de l'État, même secteur privé, pour venir présenter sympathie à la Première Dame République. Mais dans le deuxième temps, pour aller gagner
eh bien, yon parti religieuse tout dans cérémonie ça. C'est ça yon relé dans langage catholique là, yon célébration de la parole avec famille. Et c'est révérend Robert Syrian Charles, curé paroisse Saint-Clément dans Fort Lauderdale, lui-même qui pral assurer parti ça. Pour le moment, c'est mise en place sur Cap Fête, invité qui était dans une première salle dans Jardin Mubana côté salutation en Tap Fête. Pour nous qui traversait, qui vient dans Jardin pour deuxième partie cérémonie. Cap déroulé dans un cadre très solennel. C'est un moment tout de retrouvailles, de solidarité mutuelle côté tout le monde. Nous avons salué une l'autre. Et profiter présenter sympathie by Zami, président République la proche li famini. Jean nous capable sou ti écran nous n'a pas le permettre ou première dame nan avec Timoun yo k'ap rentrer kounya nan jardin en côté cérémonie ça va dérouler. On a rappelé au président républicain Jovenel Moïse mouri quitté première dame nan, madame Martine Moïse avec trois petites litou nous qui présent dans cérémonie ça Jomali Moïse Jovenel Moïse avec Jovenel Junior Moïse qui au même tout présent bon côté quelques autres membres famille. Et c'est ça qui annoncé début deuxième partie activité ça qui dans un premier temps était dédié à salutation famille présidentielle là et dans un deuxième temps pour aller en célébration de la parole avec la famille que curé paroisse Fort Lauderdale là révérend Robert Syrian Charles pral assurer nous inviter ou même qui la caillou pour suivre cérémonie ça avec nous dans télévision nationale d'Haïti qui en direct qui permet tout ouais point par point toute partie tout détail dans cérémonie ça. Président républicain Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet qui s'est passé là n'a pas rappelé c'était un entrepreneur qui montait sous pouvoir 7 février 2017 comme 58e président payant. Chacun de vous particulière. Merci de vous asseoir. C'est encore une occasion spéciale, une occasion particulière, un autre moment de douleur, de choc suite à ce qui s'est passé ici en Haïti. D'aucuns diraient l'impensable. D'aucuns diraient l'inimaginable, l'assassinat de notre président de la République dans les conditions que vous savez. Notre pays, Haïti, qui a su, à travers le temps, donner le ton, pousser l'humanité à faire un virage. Je dirais un virage éternel. Haïti, qui a su se mettre debout pour dire non à l'injustice, non aux violations des droits humains, non à l'esclavage, non à la ségrégation raciale,
Oui à la liberté. Oui à l'indépendance. Oui à la vie. Oui à l'humanité. D'aucuns se demandent comment cet Haïti-là, comment ce peuple-là, comment des Haïtiens peuvent en arriver là aujourd'hui. Au lendemain du 17 octobre 1806, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de citoyens un peu partout à travers le monde se demandaient à quoi peut-on s'attendre d'un peuple qui a assassiné son propre père fondateur. Il n'y a pas eu de réponse à cette époque. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de réponse pour ce qui a été fait. On est en 2021. On n'a pas de réponse quand la question se pose pour notre président, son Excellence Jovenel Moïse. Je profite de cette tribune pour remercier tous les peuples du monde, tous les citoyens du monde entier, toutes les autorités locales, tous les Haïtiens en général, qui ont fait preuve de compassion, de sympathie, de douleur à l'endroit du peuple haïtien, à l'endroit de l'humanité et à l'endroit notamment de la famille présidentielle, notamment la Première Dame ici avec nous aujourd'hui. Haïti devra rester Haïti. Un pays qui sait dire non. Un peuple qui sait se plier et un peuple qui peut fort heureusement se ressaisir et étonner le monde entier. Donc c'est ce qu'on espère. Et c'est pour cela que la bataille doit continuer. Jovenel Moïse a été torturé, humilié, abandonné, trahi et tué. Le corps physique n'existe plus, mais vous devriez prendre force, vous ressourcer. Les idées qu'il défendait n'étaient pas les siennes. Il parlait d'inclusion. Il parlait d'un meilleur avenir pour la majorité de ce pays. Il parlait de nèg tête canaille ou nèg en dehors. Il parlait de la grande majorité de la population toujours exclue depuis la naissance de ce pays. Je voudrais vous dire courage parce que c'est en tenant compte de cet idéal, de ces idées, de la bataille du président de la République, c'est en nous plongeant dans ces idées que nous allons retrouver de la force nécessaire pour que Jovenel Moïse s'immortalise à travers ses idées, son courage, sa conviction, parce qu'il a osé. Il a osé. Et je dirais, juste avant de passer la parole au prêtre pour la prière du jour, la plus grande réalisation du président de la République, Jovenel Moïse, sa plus grande réalisation, c'est qu'il a su montrer le chemin. Il a pu toucher la plaie du droit. Il a pu oser là où beaucoup ont eu peur. Et il a su s'assumer jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est rare qu'un Haïtien ait ce courage par les temps qui courent. Alors, courage, force à chacun de vous. Courage à la Première Dame. Heureusement qu'elle est vivante. Et au peuple haïtien, qui commence à voir clair, à mieux comprendre la bataille que menait le président de la République, eh bien, je vous dis, la bataille ne fait que commencer, car tant qu'il y a la vie est lutte, la vie est combat, et que le combat continue.
Je cède la parole tout de suite au révérend père Robès Cyrian Charles, curé de la paroisse de Saint-Clément à Fort Lauderdale, pour la prière du jour. De la prière, on en a aussi besoin. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis cet après-midi pour accompagner la première famille. Vivre cet instant avec eux. Pour nous recueillir, réfléchir et prier. Nous sommes dans la peine. Notre grand berger, notre leader charismatique, notre cher président de la République, Monsieur Jovenel Moïse, vient de tomber sous les armes des assassins. Bouo, commando sans cœur, sans morale, sans pitié, sans amour. Quoi fait nous mal? Il fait nous mal juste dans zo. Et ce qui s'en trahit nous, à tout le monde qui a un cœur, quel que soit côté à travers le monde. Pour ça, ce qui est fondation pays. Ensemble, nous venons affirmer notre foi en la résurrection. Parce que la mort n'est pas la fin de tout. Elle est la transformation de la vie. Notre entrée définitive dans la présence de notre Créateur. Il a pu oser là où beaucoup ont eu peur. Et il a su s'assumer jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est rare qu'un Haïtien ait ce courage par les temps qui courent. Alors, courage, force à chacun de vous. Courage à la première dame. Heureusement qu'elle est vivante. Et au peuple haïtien qui commence à voir clair, à mieux comprendre la bataille que menait le président de la République, eh bien, je vous dis, la bataille ne fait que commencer, car tant qu'il y a la vie est lutte, la vie est combat, et que le combat continue. Je cède la parole tout de suite au révérend père Robès Cyrian Charles, curé de la paroisse de Saint-Clément à Fort Lauderdale, pour la prière du jour. De la prière, on en a aussi besoin. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis cet après-midi pour accompagner la première famille. Vivre cet instant avec eux. Pour nous recueillir, réfléchir et prier. Nous sommes dans la peine. Notre grand berger, notre leader charismatique, notre cher président de la République, M. Jovenel Moïse, vient de tomber sous les armes des assassins. Bouo,
commando sans cœur, sans morale, sans pitié, sans amour. Quoi fait nous mal? Il fait nous mal juste dans le zoo. Et ce qui entraîne nous à tout le monde qui a un cœur, quel que soit à côté à travers le monde. Quoi ça, ce qui est fondation pays. Ensemble, nous venons affirmer notre foi en la résurrection. Parce que la mort n'est pas la fin de tout. Elle est la transformation de la vie, notre entrée définitive dans la présence de notre Créateur. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés, abattus. Nous ne comprenons plus. La mort du président Jovenel nous tombe dessus comme un coup de foudre. Une injustice qui pèse très lourd sur sa famille, sur ses proches, sur nous tous et sur tous ceux qui, à travers le monde, aiment sincèrement ce coin de terre que nous appelons Haïti chérie. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour la lecture. Dans lettre Paul écrit l'église Rome là, chapitre 8, saute verset 34, rivé verset 39. Frèm semyo. Si bon Dieu pour nous, qui laisse qui cap contre nous? Qui laisse qui cap séparer nous à cramer Christ là? Est-ce que c'est souffrance ou bien tête chargée? Ou bien persécution ou bien grand goût? Ou bien pas gain rade ou bien danger? Ou bien coûte manchette. Mais non tout ça. C'est pas gagner assez, nous gagner bataille là. Peut-être si là qui remet nous. Réellement vrai, moi certain, ni l'en mort, ni la vie, ni messager dans ciel là, ni autorité, ni temps kounier, ni temps, ni ça qui vient derrière, ni ça qui gain force, ni ça qui gis en haut. Ni ça qui juste dans bas fond ni aucun autre bagaille qui créé pas cap séparer nous ak remet bon Dieu nous dans Jésus-Christ grand maître nous parole bon Dieu qui dans ciel là merci bon Dieu merci. Bon Dieu, grand maître là, avec nous toutes. Et avec vous-même tout. Mes bonnes nouvelles, Jésus-Christ, d'après Jean qui saint. Louange pour grand maître. En vol, sorti sous terre pour la joindre papal, Jésus dit partisan lio, que nous pas besoin bouleverser. Quoi dans bon Dieu, quoi dans moi tout. Dans le papa, non. Gagne un pile côté pour mon rite, si ce n'est pas tes sam, pas ta dinoul. Si on place, moi prends le pari pour nous. Les mafines pari en place pour nous, ma tonne vient prendre avec. Comme ça, côté mié, c'est pour nous là tout. Côté m'poilé, nous connaissons route là. Thomas dit, maître, nous ne connaissons pas côté m'poilé. Comment nous avons fait qu'on route là? Jésus répond lui. C'est moi-même qui route là. C'est moi-même qui la vérité. C'est moi-même qui la vie. On nous fait louange à compliment pour parole grand maître là.
Louange pour Jésus-Christ. Please be seated. Madame veuve Martine Moïse, première dame de la République, Jovenel Moïse, Jomarly, Jovenel Moïse et Jovenel Junior. Chers parents et membres de la famille du président et aussi de son épouse, Premier ministre, M. Ariel Henry, ex-président de la République, Michel Martelly et sa femme, ex-président Jocelyne Privert, autorité civile, judiciaire et grand cour de l'État, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs des pays représentés, membres du clergé des confessions religieuses, vaudoisants, dignitaires distingués, membres de la presse parlée et écrite, représentants des médias autonomes du pays et des réseaux sociaux, mes frères et sœurs haïtiens. Qui l'aurait cru? Où est-ce qu'on est passé pour arriver jusque-là? Nous sommes dans l'amertume. C'est comme un rêve. Pour nous, c'est un président qu'on a assassiné. C'est notre président. Oui. Et vous, Madame Martine Moïse, c'est son époux de 25 ans. Son autre moitié. Pour ses enfants, c'est leur papa. Jovenel, notre président est un berger. Un berger sacrifié. We have heard that many times. Bon Dieu, grand maître là avec nous toutes. Et avec vous-même tout. Mes bonnes nouvelles, Jésus-Christ, d'après Jean qui saint. Louange pour grand maître. Avant le sosie sous terre pour la joindre papal, Jésus dit patisan lio, que nous pas besoin bouleverser. Croyez dans bon Dieu, croyez dans moi tout. Dans kay papa m'nan, gen pile côté pour moun rete, si c'est pas te sam, pas ta dinoul. Si on place, moi pral parer pour nous. Le ma fin paré en place pour nous, ma tonne vin prendre avec. Comme ça, côté mié, c'est pour nous là tout. Côté pour aller, nous connons route là. Thomas dit, maître, nous ne connons pas pour aller. Comment nous avons fait qu'on route là? Jésus répond lui. C'est moi-même qui route là. C'est moi-même qui la vérité. C'est moi-même qui la vie. On nous fait louange à compliment pour parole grand maître là. Louange pour Jésus-Christ. Madame veuve Martine Moïse, première dame de la République, Jovenel Moïse, Jomarly, Jovenel Moïse
et Jovenel Junior. Chers parents et membres de la famille du président et aussi de son épouse, Premier ministre, Monsieur Ariel Henry, ex-président de la République, Michel Martelly et sa femme, ex-président Jocelyne Brivère, autorité civile, judiciaire et grand cour de l'État, mesdames, messieurs les ambassadrices et ambassadeurs des pays représentés, membres du clergé des confessions religieuses, vaudouisants, dignitaires distingués, membres de la presse parlée et écrite, représentants des médias autonomes du pays et des réseaux sociaux, mes frères et sœurs haïtiens. Qui l'aurait cru? Où est-ce qu'on est passé pour arriver jusque-là? Nous sommes dans l'amertume. C'est comme un rêve. Pour nous, c'est un président qu'on a assassiné. C'est notre président. Oui. Et vous, Madame Martine Moïse, c'est son époux de 25 ans. Son autre moitié. Pour ses enfants, c'est leur papa. Jovenel, notre président, est un berger. Un berger sacrifié. We have heard that many times. Pasteur by la Vili pour Boubilio. The shepherd always give his life for his lamb. Dans Jovenel, président Jovenel, ça a donné réalité. Il fait nous mal jusqu'aux os. Si on retourne en Israël pour voir l'image du berger, ça s'appliquait au roi, tout particulièrement au roi David, l'ancien berger devenu roi. Et on continua à l'invoquer pour ses descendants. Ainsi donc, le psaume 22 affirme que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous aussi, comme le président Jovenel Moïse, nous sommes invités à être des bergers. Les pères de famille, les mères de famille, vous êtes des bergers pour vos enfants. Ceux qui ont la responsabilité dans les affaires d'État, vous êtes aussi des bergers. Les médecins, les professeurs d'école, les infirmières, vous êtes aussi des bergers.
est-ce que vous jouez votre rôle vraiment de berger qui prend soin de ses brebis? Vous savez, j'étais en Israël. Pour voir, en traversant le désert, j'ai rencontré un troupeau de plus de 400 moutons. Et puis, il y a un seul berger avec eux. Ce petit homme-là, il est descendu de son âne pour rattraper les petits. Nous, comme ça vous l'ai dit, l'a marché des tout petits petits pour tout river joindre manger ensemble avec tout gros yo. Pour mauvais loup pas dévorer yo dans sa vente désolée. Pour yo tout protéger. Il a privé pour traverser la rue, il fait yon cri tout campé. Machine campée de bord, c'est la loi là-bas. Et puis enfin, après avoir rassemblé tout son troupeau, et puis il crie quelque chose, et puis le troupeau s'en va. Berger a pas gain temps pour lui, non. Le jour et la nuit, il est après son troupeau. C'est pour ça, pape François dit, berger doit sentir troupeau. Si vous vivez pour un mouton, il sent si fort. Ça ne sent pas bon. Mais si vous vivez constamment auprès d'eux, vous sentez aussi l'odeur des moutons. Et il vous arrive. Vous êtes l'un d'entre eux. Jovenel nous a montré la route. Il a pris le devant comme leader. Il n'a pas hésité à confronter les situations difficiles. Il n'a pas hésité à ouvrir la bouche. As a leader, he lead. Camino adelante. Invitando a todos que marchamos detrás de él y que aprendamos. Aprendamos a luchar. Aprendamos a amar. Aprendamos a amar al país y a cada uno de los haitianos donde sea que viven. Porque todos son hijos del país. That was his dream. That every Haitian, no matter where you live, you can come to live with dignity and have the minimum. Et pourquoi pas? De la même façon qu'on parle du rêve américain. Et pourquoi pas, on ne peut pas parler du rêve haïtien. Pour que tous les fils de ce pays peuvent avoir le minimum et vivre comme des personnes, des hommes et des femmes libres. Il a lutté. Il est tombé. Je crois que, et j'espère, c'est pas la fin de son rêve. Il est enterré dans la paix de Dieu. Nous prions ce soir pour le repos de son âme et pour la consolation de sa famille. Nous savons que c'est pas facile, mais Dieu est là avec vous. Et la prière de ce peuple qui vous aime tant vous accompagne. Mes amis, gardez ça dans le cœur. La haine n'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. «
La solution, c'est l'amour. L'amour sincère. Vrai. Moi-même, moi décidé de suivre l'exemple de la non-violence du Christ jusqu'à la fin. Parce que c'est là la solution. L'exemple de Martin Luther King, l'exemple de Gandhi et tant d'autres. Suivons le chemin de l'amour. C'est lui capable de mener nous à la victoire finale. Je venais le tomber. Même souhaiter que nous tout apprenions. Si que nous te loin te lourd pour nous te voir vérité, pour te comprendre ça le t'a fait, ça le t'a dit, maintenant nous comprenons. Son goût est haut. Il vient du Nord, le Nord héroïque. Et en vérité, cher président, Kotoïa, je suis fier de vous. Comme un homme du Nord aussi. Pas peur. La vérité, c'est la vérité, même si ça blesse. Il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. L'idée portée est l'idéal de Christophe, de Dessalines. Et c'est pour ça qu'il s'est immortalisé. Nous tous nous connaissons. Haïtiens d'antan, nous connaissons qu'on y a oublié Batissa. Il a décidé de mourir debout, tant de vivre à genoux. Et ça, avec que nous louons, nous devons être fiers d'exemple ça. Allez continuer sa lutte pour un lendemain meilleur, pour une nouvelle Haïti. Côté tout le monde, il y a la donne. Les riches, les pauvres, les laissés pour compte, les satanistes, les petits gamins là qui nettoient les automobiles sur les rues. Tous, serrons les rangs pour travailler à la résolution de son rêve. Pour que Haïti deviendra vraiment ce qu'elle a toujours été, lumière des nations. Nous t'es fait, nous sommes capables de faire encore. Mais ce n'est pas seulement orgueil pour nous plaindre. C'est pour nous plaindre avec charité, avec l'amour, avec le respect de l'autre, le respect de sa dignité. Parce que lui, on a commencé son assassinat, ça fait longtemps. On a assassiné ses idées. Ouf, ça fait belle lurette. Cet instant-là a été le coup de grâce. Mais il vivra éternellement. Un homme comme lui, il est déjà auprès de Dieu. Nous le savons. Suivons son exemple. Pour redémarrer Haïti. Pour qu'elle puisse redevenir ce qu'elle a été. Elle a toujours été la perle des Antilles. Lumière des nations. Haïti chérie. C'est pas impossible. Avec l'amour, on peut arriver là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Dans ta belle maison, c'était des choix éternels.
notre cher président défunt, Jovenel Moïse. Et pour tous ceux qui nous ont quittés, dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Accepte-le et tout le bien qu'il a fait ici-bas, tout le bien qu'il a accompli pour son peuple, pour ses proches. Accueille-le dans la vie éternelle. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil, et spécialement Madame Martine Moïse, ses enfants et tous les membres de la famille de notre cher président. Réconforte-les, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. Que ton amour apaise la douleur de la séparation. Prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions enfin pour nous-mêmes, pour tous les hommes, pour tous les Haïtiens, ici, eux dans la diaspora. Seigneur, donne au monde la paix. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères. Rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Maintenant, pour vos intentions personnelles, pour notre cher président défunt Jovenel Moïse, pour sa famille, ses proches, ses amis, dans ce moment de silence. Et aussi pour la conversion de tous les Haïtiens, pour que nous abandonnions le chemin de la haine, que nous embrassions le chemin de l'amour, de la réconciliation. De la paix, de l'entraide, du service, du support mutuel. Aide-nous à briser nos barrières, nos murs, pour que nous soyons un peuple. Un peuple. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, Seigneur, accueille ton enfant. Maintenant, adressons-nous une fois de plus à notre Père Céleste dans cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne-nous la paix à notre pays, à nos familles, à nos institutions. Donne-nous la paix à ce monde. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont besoin de votre miséricorde. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, au milieu des fils et des filles de ce pays, notre cher Haïti, rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications, aide à répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, chantons le Dieu Tout-Puissant. Un berger vient de tomber. Nous sommes tous témoins. Témoins de cet événement. Nous sommes tous maintenant des Jovenel. Des fils et filles. Mesdames, Messieurs, un très grand merci à chacun de vous ici présents, chacun en son rang, titre, grade et qualité. Merci, merci, merci. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, nous presque arrivé dans fin cérémonie ça. Nous avons rappelé qui c'est cérémonie salutation. Merci de rester à votre place et de laisser là. Sortir. Dans le premier temps, gagnant première dame République là avec Timonio, trois petits président République là qui t'a pour recevoir salutation. Toutes invitées, tout le monde dans une salle. Dans le jardin Mupana et vous avez traversé dans le jardin en deuxième partie pour aller dans côté espace qui est réservé pour cérémonie de célébration de parole à la famille. C'est un moment vraiment de tristesse, c'est une ambiance de tristesse qui a régné Kounia dans le jardin Mupana. Nous sommes capables de remarquer sous visage. Première dame nan avec Timounio et l'autre invité yo vraiment yon gros tristesse. Et n'a rappelé c'est révérend Robert Syrian Charles curé paroisse Saint-Clément dans Fort Lauderdale qui t'a assuré et bien partie religieuse là. Dans intervention le révérend présenté président Jovenel Moïse comme un leader, un berger qui nan nanmi, un berger qui te gagne un rêve pour bétail li. Curé paroisse Saint-Clément pas manquer faire remarquer tout
c'est pas violence qui a résolu rien, mais c'est plutôt l'amour qui solution. Père Robert Syrian Charles dit les fiers de passage président Jovenel Moïse sous terre comme un petit grand nord qui pote idéal Christophe avec des salines dans 20 niak dans sal tant que tout et au département nord qui respecte tête yo. Père Syrian fini intervention là pour le dilitant pour nous mêmes chrétiens vivants yo mon cap vivre sous terre pour mettre orgueil de côté pour capable suivre exemple président Jovenel Moïse pour permettre Haïti river côté le besoin river à même gens à tout grand pays. Alors c'est fin cérémonie ça dans table déroulé dans jardin musée Panthéon National haïtien Mipana invité yo déjà à quitter espace là et famille présidentielle là j'en ka garder soutien quand nous déjà prend place dans cortège capral mené yo et la caillou pour quitter espace là. Donc prochain rendez-vous c'est vendredi cap 23 juillet cap venir là dans cap haïtien côté et bien famille a chanter enterrement président république là dans cap haïtien l'habitation papa président république là côté population ça cap faire déplacement et ça cap prêté devant ti écran tout ap capable suivre nous en direct depuis cap haïtien côté télévision nationale d'Haïti ap avec vous en direct pour permettre ou vivre temps fort moment ça. Président Jovenel Moïse m'a rappelé c'est un entrepreneur, il était monté sous pouvoir 7 février 2017 comme 58e président pays avec plus passe 55% voix. Il mourit 7 mois avant mandat fini dans tête pouvoir. Il mourit assassiné la caille Pèlerin 5